15 ans, c'est encore l'adolescence pour notre association qui est née en septembre 2003. Une naissance sympathique, puisqu'elle est le fruit d'une maman et de deux papas, les trois fondateurs de Arsenal. Donc Nicole Paris, que la maladie nous a malheureusement enlevé trop tôt, Jean-Jacques Couturier et Philippe, qui est là, si tu veux bien nous rejoindre. Hein. C'était un des membres fondateurs de RCT. Bravo, les gars. Donc, comme tout bébé, celui-ci a grandi au fil des années. Hein. À sa naissance en 2003, 44 adhérents. Hein, si je ne me trompe pas, Philippe, c'est à peu près ça, à un frère. Et une sortie tous les mois. Une des premières sorties, d'ailleurs bien arrosée, hein, pour tous ceux qui y étaient. Hein. Donc c'était à Pierrefonds, sous la pluie. On a la même perdu qui s'en trompait les cons, tellement on était emmitouflés dans les caps. Michel. Chantal. Et Henri. Henri, il est là aussi, Chantal. Chantal vient après nous, Chantal. Bon, alors maintenant, je vous laisse deviner pourquoi je les ai appelés. En effet, ce sont les personnes qui sont aujourd'hui présentes, qui étaient là au premier randonnée. Donc, ça fait 15 ans qu'ils randonnent avec leur sortie. On peut les féliciter. Christian, alors, tes premières impressions? On a répondu à toutes les questions, on a eu beaucoup de questions. C'est l'étonnement qui était fausse. Ouais. Ah oui, voilà. C'est vraiment l'étonnement complet. Ouais, oui. Félicitations aux gagnants. Il y a le matin quand même. Félicitations à tous. Vous avez la moyenne, avec 36 sur 60. C'est Aurélie. On n'a pas plus. Alors bravo. Et félicitations à Aurélie qui a fait aussi gagner le groupe, c'est ça? Non, on a fait tout. C'était un. Félicitations Aurélie. Le style dauphin, la place dauphine et la plage blanche, sa mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Alors je voulais, avant de passer cette vidéo, remercier trois absents. Daniel Ferraudet, qui est malheureusement pris à la chorale, grande folie. Françoise Meigny, qui, comme vous le savez, est handicapée, s'est pété les côtes. Et puis André Avit, qui était un ancien randonneur. Merci Roland. Ce n'est pas de la crevette, c'est de la langoustine. La langoustine. Ah oui, normalement c'est de la langoustine. C'est bon ? Ouais. Je sais pas quelle est.
Sur ma tête, hein. La gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures. Paris se réveille. Paris pas une simple photo, c'est un film que tu nous fais, Renaud. Et sois-en remercié, parce que nous comptons sur toi pour acquérir la notoriété qui nous fait défaut. Vous avez donc Hélène au premier plan. La belle Hélène. La belle Hélène. Je vois ma Jeannine. Jeannine, où es-tu? Bonjour Luc, la Cantoria, c'est quand? Si, c'est bientôt la Cantoria. On va chanter super. J'ai pas reçu de mail de ta part. Je n'ai reçu aucun mail, aucun SMS de ta part. Oh bah attends, je vais te les envoyer bientôt là. Tu devrais les recevoir. Dès qu'on peut, je les envoie. Parce que je sais pas si on va t'entendre avec le bordel qu'il y a. J'ai besoin de connaisseurs comme toi pour venir nous écouter. Il n'y a pas de souci. Je me suis mis à côté de ma préférée. Non, c'est ma préférée. Tu sais pourquoi? Parce que les trous sont déjà percés. Elle va moins souffrir comme ça. J'espère que tu dis pas, quand tu racontes cette histoire-là, l'âge que j'ai. Ah, j'ai jamais dit l'âge que tu avais, mais j'ai donné la source. Et j'ai dit, c'est pas une jeune fille de 20 ans. J'aimerais retrouver ma vogue espagnole, taper dessus pour les voir enfin couler. Le but du jeu, ça va être de reconnaître les animateurs. Il vient de Saint-Nectaire, je le connais et crois-moi, alors là c'est du top, du 6 mois, 6 semaines d'affinage. 6 semaines d'affinage. Eh hey, Steve. Oh, c'est un peu la petite fille. Hein. Oui, ah bah oui. Tout va bien. Tout va bien. J'espère que tout le monde est content. J'ai l'impression. J'ai l'impression que ça marche bien. Ouais, bon, ouais, écoutez, c'est formidable. Bon. Je vois qu'il y a que la fête continue comme ça et ce sera une très belle journée. Ouais. Saint-Nectaire. D'accord. Et le bleu, tu vas le couper comment alors? Ah, ben ça, là. Ça. Ah, le bleu, là. C'est, là, c'est la grande question, ça. Hein. Donc, ça, on va aller. Oui, Jacques, comment on doit couper le bleu? Eh ben, justement, on est tout à fait bleu, pour ne pas le savoir. Voilà, ça, c'est la planche à bleu. Bien. En fait, c'est des tranches de bleu. Des tranches de bleu. Non, des demi-tranches, puisque c'est une demi-lune. Hé, hey, chef. Regarde, oh. Il est magnifique, le bleu. Regarde. Ah ouais. T'as vu le bleu de la mémé? Ah, dis donc. Ça. Un bleu d'Auvergne, je suppose. Ah oui. Alors, c'est du bleu de l'accueil. Maintenant, que deviennent, parce que deviennent, dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années. Parce que vous ne pouvez pas savoir, mais monsieur était un moisson comme moi. On a eu le même prof. Et on a eu les mêmes profs, rappelle-moi de vous. Voilà, la même année, 54, à deux jours près. Ici, c'est une histoire de famille.
Bon, ben voilà quoi, c'est tout. Hein. À part ça, qu'est-ce que t'as eu comme prof couillon? Ah bon, j'ai Leroux, moi. Ah, Leroux, le prof. Leroux, de... monsieur et madame Leroux. Monsieur et madame Leroux, oui, on a eu le monsieur et la madame. Et qu'est-ce que vous avez fait? Et en physique, tu faisais pas de physique, toi? Si, monsieur Courillon, tu l'as connu? Ouais, je l'ai connu aussi. Ben, monsieur Courillon, fallait pas plaisanter les couilles. On était sages. Mais j'avais pas de photo plus petit. Hein? Non, ma femme me confirme. Avec plaisir. J'ai pas 10 ans. Mais j'ai une bouille de breton avec des yeux bleus que personne ne peut résister. Alors, Philippe, c'est pareil, Philippe, on l'a pas du tout reconnu avec sa barboteuse. Passer mon téléphone, s'il te plaît. Qui l'a reconnu, Philippe? C'est la barboteuse que t'as reconnu pas moi. Sur la vidéo, tout le monde vous a reconnu, mais c'est vrai que vous étiez le dernier. J'étais le dernier, c'était facile. Hein. Il n'y avait pas à se tromper, hein. puis j'étais bien reconnaissable. Hein. Est-ce que vous pensez pouvoir être crédible lors de votre prochaine animation de Renault? Oui. Je peux prendre la même tenue. Sur les photos, on a eu du mal à vous reconnaître. Il n'y avait plus que moi comme femme. Ben oui, c'est ça, c'était ça le problème. Ben sinon, est-ce que tu t'es reconnu, toi, sur la photo? Ah ben, Tu t'es reconnu? Heureusement. Oui. Est-ce qu'on vous a reconnu sur les photos? On vous a reconnu à toutes les photos, il me semble. Oui, puisque étant enfant, on est une figure anodine et on pourrait ressembler à n'importe qui. Alors, il semblerait, d'après certains, que j'avais les oreilles en chou-fleur. Donc c'est un scoop. Alors c'est vrai qu'on a une marque de fabrique, hein, et enfant, on a le haut des oreilles qui est légèrement décollé. Mais c'est que du charme. Ah oui, tout à fait. Ah, bleu. Bon alors Françoise, tu as fait l'unanimité sur les photos. Ben oui, tout le monde m'a reconnu tout de suite. C'est même pas drôle parce que moi-même je ne me reconnaissais pas. Mais les autres m'ont reconnu tout de suite.
qu'est-ce que tu as fourni comme photo, une photo carrière? Tu avais quel âge à l'époque? Je commençais à marcher, j'avais un an à peu près. Ah oui, d'accord. Tu vois, donc ça fait quand même un certain temps et on m'a reconnu tout de suite. Mais je pense que tu avais donné une photo qui était très ressemblante, enfin très claire et très ressemblante, parce que les autres avaient des photos qui étaient... Bah oui, ça doit être ça. Moi je t'ai reconnu sur ta photo, je t'ai reconnu en fait. Bon bah écoute, c'est comme ça. Hein. Eh bien merci Françoise. Hein. Mais de rien. Jacques, personne t'a reconnu sur la photo. C'est vrai, oui. C'est le chapeau mexicain qui a fait toute la différence. Le seul qui t'a reconnu, c'est moi. Ouais. Ah oui, de l'autre côté. De l'autre côté, j'avais la photo. Merci Jacques. Michel, tu as deux animateurs ensemble, ça a fait un chassé. On va lui dire à Mario. Et on t'a reconnu à ton avis grâce à quoi? Comment tu... Ton regard. Oui, regarde. Et Ginette alors. Allez, Ginette, on a eu du mal, Ginette, avec toi. C'est vrai. J'étais bébé. C'est Dominique qui t'a reconnu. Ah oui. Dominique, c'est alors au niveau des photos, j'ai été très extrêmement déçu qu'on m'ait pris pour toi. Et toi? Ben moi aussi, parce que je pensais qu'on allait reconnaître mon petit air mutin. Ça voudrait dire qu'on a une grosse bouille. Oui, une bonne petite bouille de gamin, bien gentil. Mais c'est vrai que la photo d'identité, style police nationale, est pas terrible, je reconnais. Ça fait plutôt bulldog, mais bon. Hors circuit, je pense que si ça existe toujours maintenant, c'est parce qu'on a eu une belle personne qui l'a monté, et que cette belle personne, c'est Nicole, et que sans Nicole, je pense qu'il y a peut-être 50% des personnes qui ne seraient peut-être pas là aujourd'hui. C'est la personnalité de Nicole qui a fait qu'on soit encore toujours là, parce qu'elle nous a apporté tellement de choses par sa personnalité que encore maintenant, elle est dans nos cœurs et dans nos pensées quand on randonne. Ah, moi, j'ai pas connu Nicole, moi. Mais par contre, je vous ai connu. Moi, j'y suis pour rien. Moi, je pense que j'y suis pour rien et que c'est des belles rencontres, la randonnée. C'est des belles personnes avec leurs qualités, leurs défauts, leurs richesses. Et qu'en randonnant, on a toujours des belles histoires à se raconter. Et ça, c'est super. Eh bien, et là, les 15 ans d'Orsay-Fils, c'est l'occasion un peu de se revoir, de se rappeler des bons souvenirs. Exactement, et puis des randonnées où on oublie des gens, on perd des gens, des randonnées où on a des chaussures vous de randonnée. Vous avez perdu des gens dans les randonnées? Oui, on les a retrouvés, enfin surtout une, et une randonnée où il y a un monsieur qui a déjanté, qui a perdu sa chaussure avec sa semelle, et ça c'était la première rando, donc rien que des anecdotes comme ça, ça donne envie de continuer parce que c'est trop rigolo. L'année prochaine, on refait des 20 ans maintenant. 16 ans, un petit peu moins bien. Ouais.
Mais ça sera difficile à être mieux, quand même. Et pour les 20 ans, on verra bien. On verra bien si on est toujours de ce monde. Parce que maintenant, on ne sait plus. Je suis deuxième du classement, moi. T'es un premier, deuxième. Non, premier, deuxième. Premier, deuxième. Ah, tu vois, et on se parle. Voilà. Oui. Mais attends, j'ai dit, on va être finir septième parce qu'on a, on a répondu à toutes les questions, mais on a répondu faux 80%. Alors, vous êtes deuxième du classement. Incroyable. On n'est pas des intellectuels. J'ai pas l'impression. Mais la carrière que j'ai faite, c'est sûr que non. Mais bon, tu vois bien la carrière. Moi, tes lèvres, por favor, quand tu parles, oh oui, j'écoute, et ta voix m'envoûte, je rêve, je soupire, je désire ton sourire, eso es el amor, si señor. Je t'adore, oui, te quiero, mi amor. Si, quelle ivresse, que tes caresses, quelle ivresse. Si, tu m'appelles par tes paroles espagnoles. Si, buena noche, mon amour, mi amor. Si, señor, solo. Espagnol. Va le mettre sur ton shake on, 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 shake on
Déplaisant, affligeant, désolant, comme nous sommes tous victimes du temps.